Bonjour à tous. Avec un départ donné au pied de la montée vers Peyragude, il ne faudra pas avoir de retard à l'allumage. La moindre faiblesse pourrait s'avérer fatale et la distance extrêmement courte promet une course rapide et sans aucun temps mort. Hey, salut à tous les amis, c'est Tutur. On se retrouve les gars pour une toute nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle étape avec la Sunweb. Et nous sommes avec Laurent Stendam, voilà, qui est en bonne forme. Et c'est pas le seul, Tom Dumoulin est également en bonne forme dans cette étape qui arrive à Bagnères de Bigorre, il me semble, je ne sais plus. Là, on est parti pour la montée de Peyragude, là où il y avait une arrivée l'année dernière, hein, où Romain Bardet s'était imposé. Mais il y avait, il est arrivé, je sais plus c'était sur quoi, une grande route large à 15% là. Allez, du coup on a fait partir Simon Gauchecke, mais nous aussi on va avec Tendam, j'aimerais bien pouvoir partir devant. Là vous voyez que là pour l'instant on n'a pas trop l'occasion. Voilà, ça commence à rouler. Ça laisse pas partir, lui ne laisse pas partir apparemment les personnes qui sont parties devant. Ouais, il laisse pas partir peut-être, je sais pas. Je sais pas, on va tenter également avec Laurent Stendam. Allez, c'est parti, attaque de Laurent Stendam là. Même si c'est quand même un peu con ce qu'on fait, mais bon. Allez. On attend donc. Oula, là, le peloton qui n'est plus que de 40 personnes. Ah oui, effectivement. Ça a cassé. Du coup, est-ce que. Celui-là, je pense. On va rester peut-être toute l'étape ensemble, je ne sais pas. Ah si, c'est parti. C'est nickel, c'est parti. Ok, nous avec Gauchecke, bien sûr, on va jouer seulement la montagne. Avec Gauchecke, on va jouer seulement la montagne. Ah, mais ils sont à 50 secondes, ils nous avaient laissé 3 minutes. Oh, c'est une blague. Oh, ça, c'est vraiment relou. Hein. Ah, Cyanide, ça, en fait, ils ont bien amélioré les trucs des échappés. Mais le truc, c'est que là, vous voyez, on est quand même pas dangereux. On a 10 minutes, 33 minutes, etc. Et eux roulent quand même. Ok, tu peux pas laisser partir n'importe qui en échappé, mais gros, quand même. Je sais pas, il y en a, tu peux peut-être les laisser partir. Ah, mais en plus, c'est nous qui posons problème, je crois. Je crois que c'est vraiment nous qui posons problème. Hein. Enfin, bref, bon, on va passer sur Tom Dumoulin. On va donc passer sur Tom Dumoulin, voilà, qui est le seul concurrent. Est-ce qu'au maillot à poids, il y a peut-être des dangereux? Ouais, peut-être Landa, peut-être Mikel Landa, aujourd'hui, de dangereux pour ce maillot à poids. On va bien voir. Ah, les positions aérodynamiques qui bug, ça c'est super. Hein. Mon coureur, ça fait déjà quelques jours qu'il ne veut plus se mettre en position aérodynamique. Ça devient un petit peu embêtant. Ça devient un petit peu pénible. Allez. Hop, 800 mètres du sommet. Bon, on va essayer de passer avec Tom Dumoulin tranquillement. Sauf si quelqu'un de pas dangereux le joue. Si quelqu'un de pas dangereux le joue, moi ça me pose pas de problème. Faut juste pas que Mikel Landa le joue, voilà. C'est tout. Il va passer quand même dans les premiers, Landa, là. Il va passer deuxième. Bah, on prend 8 points, quand même. Bon, les gars, nous, on va se retrouver plus tard, hein, en col de première catégorie, parce que là, il va pas se passer grand-chose jusque dans le col de première catégorie, donc je vous dis à tout de suite. Ok, les gars, 6,5 km, j'avais complètement zappé de reprendre, je sais pas pourquoi. Dans ce col de portée, on est donc parti. On va donc rester dans les roues. Et vous voyez que notre barre déjà est très limite. Hein. Notre barre est très limite. Alors, j'avais pas fait gaffe, mais il y avait quand même Sagan qui était présent dans ce groupe. Du coup, il a pris 20 points. Hein. Il a pris 20 points en bas, Sagan. Donc, ça, c'est pas cool pour nous. Pour notre maillot vert avec Michael Matthews. Voilà. Oula, attention, ça attaque. Attaque de Nairo Quintana. Mais non, on pourra pas tenir très très longtemps ce rythme avec Tom Dumoulin. Je pensais qu'on tiendrait quand même beaucoup mieux avec Tom Dumoulin dans la montagne, dans la haute montagne. Mais en fait, pas du tout sur ce tour, on a fait que craquer. Hein. On a fait que craquer sur ce tour. Allez, c'est fini pour Jakob Fuglsang. Dan Martin est bien présent ici. Nairo Quintana devant qui est bien parti. Mais il n'est pas dangereux pour un Vincenzo Nibali. Ah, c'est toujours très serré entre Nibali et Uran. Et Porte qui n'est pas loin également. Porte et Froome qui ne sont pas loin. Le tour va se jouer dans les deux étapes et le chrono qui reste. Hein. Ça va quand même être très serré, je pense. C'est fini pour Dan Martin également.
Ah, on fera même pas de top 5 avec Tom Dumoulin. On fera même pas un top 5 général avec Tom Dumoulin. C'est quand même chaud. C'est quand même très très chaud. Ah, Warren Barguil qui craque également. Le 5ème. Hein, le 5ème du général après une bonne échappée. Une belle échappée même. Oh, bah, il y a un poids de toute façon. Il est 20ème. Donc bon. Ah, c'est fini également pour Mikel Landa. Devant. Et toujours les mêmes coureurs. Rigobert Touran en défaillance qui est en train de perdre le tour. Rigobert Touran qui perd le Tour de France. Voilà. C'est fait. Je pense que cette étape, ça y est, c'est fini pour lui. Il va perdre le Tour de France. Aujourd'hui, Rigobert Touran. Et devant, nouvelle attaque, Nairo Quintana qui doit être en hyper forme là. Il est très très fort, Nairo Quintana, aujourd'hui. Allez, non, on a Jungle, c'est Mollema toujours dans la roue. On essaie de garder un petit peu de barre bleue quand même pour ce final, parce que là, ouais. Là, on va pas tenir très très longtemps. On a déjà pris une 20, hein. Une 20 par Richie Porte, Mick Quintana et Richie Porte. Est-ce que Nibali est assez costaud? Est-ce que Nibali sera assez costaud pour tenir le rythme de l'Australien? Ou est-ce qu'il va devoir lui concéder du temps? Ah, et Nibali qui a pas l'air super, hein. Nibali qui a pas l'air super, je pense. Je pense qu'il est pas tellement dans son jour, Vincenzo Nibali, là. À voir, hein. Ça se trouve, il est totalement bien. En tout cas, Richie Porte qui est presque rentré sur Quintana. Richie Porte qui est presque rentré sur Quintana, et ça le ferait revenir à moins de 45 secondes provisoirement. Et ça, c'est dangereux, ça, c'est très dangereux. Allez, on est presque revenu sur notre ami Rigobert Touran. On fait une bonne montée, avec Mikel Landa dans notre roue. Allez, Porte qui coince un petit peu, hein. Porte qui n'arrive pas à rentrer sur son Nairo Quintana. Il a du mal, le Colombien, là. Il a du mal, le Colombien. Petit mal de gorge. Allez, on accélère un petit peu maintenant de nouveau avec Tom Dumoulin. Attention, Nibali lâché. Nibali lâché et peut-être en train de nous... Enfin, lui aussi, de perdre le Tour de France et de perdre son maillot jaune. En tout cas, maintenant... Richie Porte qui a déjà repris 30 secondes. Il n'a plus. C'est, il peut les reprendre. Il peut les reprendre. C'est une minute au kilomètre là. Il peut les reprendre. Attention. Ça peut être dangereux. Allez, nous avec Tom Dumoulin, on va reprendre Vincenzo Nibali. Allez. Hop, 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 hop. On revient. On roule fort maintenant. On va prendre notre ravito rouge en même temps. On va revenir sur quand même Chris Froome et Romain Bardet. Hein. On va revenir sur Chris Froome et Romain Bardet. Et ça, c'est plutôt une bonne opération. Et voilà, Chris Froome, Romain Bardet. Et nous, on doit échouer à 10 secondes. 10 secondes, 2. Et c'est très bien. On fait une très belle opération aujourd'hui, en tout cas. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot. Ok, pour les podiums, on a donc perdu le maillot vert. On a donc perdu le maillot vert, il n'y avait que seulement Simon Geschke. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On va attendre tranquillement. Que le... ça s'en aille, mais ça a l'air d'être bugué un petit peu là. Ça a l'air d'être bugué un petit peu quand même. C'est bien les gars, on est à notre place. On visait le top 5 et vous avez fait le boulot. C'est bon. C'est bon, du coup on va faire une 5ème place à 24 secondes. Tranquillement, ouais, on reprend du temps quand même, on reprend pas mal de temps à certains leaders. On reprend également 13 secondes à Nibali qui était dans notre trou sous la flamme rouge. Et du coup, classement général, on est 6ème, on est passé devant Warren Barguil. Et ça va être très compliqué d'aller chercher quand même ce top 5. Hein. Ça va être très dur, mais bon, on tentera tout. On tentera le tout pour le tout en tout cas. Barguil, ouais, Barguil qui redescend 7ème. Quintana qui est juste là également. Jungle Zakarin qui a perdu une place et qui sort du top 10. D'accord, du coup, au classement général du meilleur grimpeur, c'est toujours Geschke, mais bon, avec Machka, c'est très très serré quand même. Et par points, voilà, Sagan qui nous reprend 6 petits points. Et donc, ça, on va vraiment le jouer jusqu'au bout, ce maillot vert. Et bien, du coup, les gars, je vous dis à demain pour. Donc, on va voir directement le profil de l'étape sur Tri, sur Baïse. Jusqu'à Longue, c'est une étape de plaine très longue, jusqu'à Pau. On arrive à Pau pour. Nous sommes toujours dans les Pyrénées.
avant la dernière étape des Pyrénées. Donc là, ce sera une étape de transition. Voilà, tranquillement, pas très dur. Donc voilà. Je vous dis les gars, moi, à demain pour cette étape, à ce soir pour l'étape avec la Katusha. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye.